Rattraper les cours perdus à travers l'élaboration d'un programme bien tracé. C'est ce qui ressort de la réunion du ministre de l'Éducation nationale, Boubacar Belbouzid, avec les directeurs de l'éducation des 14 wilayas touchées par les dernières intempéries. Touchés à des degrés différents par les dernières intempéries. Mais trois wilayas ont été les plus touchés, Tizi Ouzou, Sétif et Constantine. À cet effet, nous sommes arrivés à mettre au point un programme tracé et coordonné avec l'ensemble des établissements scolaires afin de rattraper le retard. Les instructions sont claires et nettes. Les établissements scolaires devront ouvrir leurs portes durant le temps libre des élèves et ce, dans l'objectif de rattraper les cours. Les établissements scolaires ont déjà entamé le processus de rattrapage des cours. Cela se fait depuis le 11 février dernier, grâce à la participation des parents d'élèves, des enseignants, des syndicats nationaux et des élèves eux-mêmes. Ils devront sacrifier leur samedi et mardi après-midi pour pouvoir arriver à rattraper le retard. Les directeurs ont carte blanche s'ils veulent utiliser la première semaine des vacances, à condition que les élèves soient d'accord, bien sûr. Demain, jeudi, le ministre de l'Éducation nationale, Boubacar Belbouzid, se réunira avec les syndicats nationaux afin de faire le point de situation à l'issue.